Bonjour à tous, bienvenue donc dans cette cinquième leçon de piano, donc la troisième partie des accords majeurs. Donc nous allons poursuivre dans l'apprentissage des accords majeurs, donc toujours sur ce même schéma. Donc vous de le voir en intro, donc j'ai joué le chant « Tu viens du ciel » donc dans la gamme de Do, avec donc, cinq accords. Donc à travers ce chant-là, on va pouvoir encore comprendre comment utiliser les accords donc dans la gamme majeure et précisément dans la gamme de Do. Donc, au niveau de la marche que j'ai pu faire, donc toujours, on va faire dans un premier temps toujours la double appellation, l'appellation donc en accord francophone, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, mais également en nomenclature 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, au fur et à mesure, et plus ça ira et plus je commencerai à parler essentiellement en fait en nomenclature. Vous verrez par la suite pourquoi. C'est qu'en fait la nomenclature nous permet de parler en fait assez facilement et de parce que là depuis le début on commence donc dans la gamme qui est la plus facile du piano, c'est-à-dire la gamme de Do. Mais lorsqu'on jouera dans d'autres gammes, dans la gamme de Fa, dans la gamme de Si, dans la gamme de Fa dièse, dans les prochaines vidéos. Dans l'avancement de notre cours, vous verrez que c'est plus simple de parler en nomenclature parce qu'on aura la facilité de dicter les accords sans forcément faire les calculs. Parce que Do, par exemple, un exemple tout simple, donc le chant que je viens de vous montrer, Tu viens du ciel. Tu viens du ciel, Fa, Sol, Montré, Fa, Do. Et si maintenant ce même chant-là, je veux le jouer dans une autre gamme, ça ne va pas être forcément les mêmes notes. Parce que dans la gamme de La, par exemple, c'est un simple exemple, c'est que dans la gamme de La, par exemple, il n'y a pas l'accord de Fa, ni l'accord de Sol. Donc je ne peux pas en fait dicter les accords. Il faut que je fasse des transpositions en disant mais le premier degré de la gamme de La, c'est le La, le quatrième degré, c'est quel accord, le cinquième degré, c'est quel accord. Alors que lorsqu'on parle directement en nomenclature, on sait très bien que, en connaissant bien sûr par cœur les nomenclatures des gammes, on aura la facilité en fait à pouvoir reproduire les chants simplement. Mais ça, c'est vraiment une petite aparté, je ne veux pas nous mélanger. C'est une petite aparté. On va se recentrer dans un premier temps sur la gamme de Do et sur le chant que tu viens du ciel. Fa, Sol, Montré, Fa, Do, de la terre, Fa, à la croix, Sol, payé, Fa, pour moi, Do, de la croix jusqu'au Sol, et du La mineur, Do, Fa, je loue ton petit accord de passage éternel Do. Même chose donc avec la nomenclature. 1, 4, 5, 4, 1, 4, 5, P, 4, 1, de la 4, 5, 6, 1, 4, 5, éterne 1. Donc voilà le chant donc en accord plaqué que je viens de nous montrer, donc tu viens du ciel. Toujours donc dans la suite de notre apprentissage, j'aimerais donc mettre donc ce tableau qui s'affiche donc à l'instant pour nous expliquer maintenant dans la totalité la famille, donc la gamme majeure. Donc, comme on a pu le voir dans les premières vidéos, il y a 7 degrés, donc 8 degrés en revenant sur le degré de base. Donc, exemple dans la gamme de Do, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc 7 degrés. En revenant sur le Do, donc ça nous fait 8 degrés. En soi, il y a 7 degrés. Donc, voilà. Donc le tableau que vous pouvez voir ici en annexe est un schéma que vous allez devoir connaître par cœur.
Donc, c'est le schéma général des gammes majeures donc, qui va définir le type de degré. Je m'explique. Vous voyez ici que dans le tableau, le premier degré est un accord majeur. Donc, dites-vous, cette règle-là, c'est vraiment une règle générale aux gammes majeures. Donc, le premier degré est un accord majeur. Donc, nous sommes dans la gamme de Do. Le premier degré, donc, c'est le Do. Et donc, lorsqu'on parle de majeur, c'est-à-dire que dans la gamme de Do majeur, le premier degré est un Do majeur. Voilà. Deuxième degré, accord mineur. Donc, le deuxième degré de la gamme de Do, c'est quoi ? C'est le Ré. Et donc, si on se souvient bien de des règles justement pour composer un accord mineur, un accord majeur, l'accord de Ré mineur, il se compose de Ré, Fa, La, Ré. Et je le double. Et souvenez-vous, donc, ça, on l'a vu dans la précédente vidéo, concernant donc les intervalles pour faire varier donc un accord majeur en accord mineur et vice-versa, de passer d'un accord mineur à un accord majeur. Donc ici, vous avez l'accord de Ré mineur. Et ça, c'est Ré majeur, pour rappel. Voilà. Revenons à ce que nous pratiquons. Donc, deuxième degré, donc on vient de le préciser, est un accord mineur. Ensuite, troisième degré dans la gamme de Do, enfin, troisième degré global est un accord mineur. Nous sommes actuellement dans la gamme de Do. Le troisième degré est un accord de Mi mineur. Voilà. Quatrième degré, accord majeur. Donc, dans la gamme de Do, le quatrième degré est le Fa. Fa majeur. Donc, souvenez-vous, lorsqu'on parle d'un accord majeur, il n'est pas forcément nécessaire de pouvoir en fait, le préciser, puisque lorsqu'on parle d'un accord, on dit par exemple Fa, on sait que c'est un accord majeur. Si on précise Fa mineur, voilà, quand il y a une précision, c'est vraiment qu'il y a une particularité, mais en général, lorsqu'on ne précise pas, c'est un accord majeur. Cinquième degré, toujours dans la gamme de Do, c'est un Sol majeur. Sixième degré, c'est un accord mineur. Donc ici, nous sommes donc dans la gamme de Do. Sixième degré, c'est le La. Donc, caractérisé par ce tableau, nous sommes plaquons un La mineur. Ensuite, septième degré, c'est un mineur cinquième bémol. Attention, appellation, on peut se dire appellation compliquée, mais en soi, c'est une logique, tout simplement. La logique de la nomenclature. Donc, le septième degré de la gamme de Do, c'est bien Si. Donc, un cinquième diminué, en fait, la base, c'est tout simplement de partir sur un accord donc mineur et de... Enfin, cinquième bémol, ce que je veux dire, c'est on part d'un accord mineur et... la quinte donc de l'accord que nous allons bémoliser ou diminuer. Donc le Si mineur, le bas c'est ça, et lorsqu'on parle donc de mineur avec le cinquième diminué, donc la quinte c'est celle-ci, donc dominante, tierce, quinte, donc on diminue la quinte, et voilà. Septième degré. Et après, on revient sur le premier degré. Voilà. Donc, ce schéma donc de la gamme majeure est un schéma à connaître par cœur. Ça va venir avec le temps. Dites-vous, ça va venir avec le temps. Vous allez le mémoriser, vous allez le maîtriser. Mais il faut vraiment, vraiment retenir ce tableau-là. Et ça va être naturel en soi. Et après, vous pourrez justement découvrir tout l'ensemble des gammes majeur du piano par la suite, dès lors que vous aurez maîtrisé justement cet aspect-là du tableau qui est affiché ici en annexe. Donc en récapitulatif, premier degré majeur, deuxième degré mineur, troisième degré mineur, quatrième degré
majeur, cinquième degré majeur, sixième degré mineur, septième degré mineur, avec cinquième diminué. Et on revient sur la première. On récapitule avec les accords de Do. Rapidement, je descends. Ça va venir au fur et à mesure, encore une fois, ne vous inquiétez pas. Premier accord majeur, donc Do majeur. Là, je le plaque avec les deux mains. Voilà. Deuxième accord mineur. Donc, Ré mineur. Troisième accord mineur. Donc, Mi mineur. Quatrième degré majeur. Cinquième degré majeur. Sixième degré mineur. Septième degré mineur. Cinquième diminué. Et on revient. Voilà. Voilà en soi pour les notions générales des gammes majeures. Notion que vous devez maîtriser. Vraiment, ce tableau-là, c'est vraiment important de pouvoir le maîtriser et en même temps de pouvoir vous exercer. Donc, l'exercice à faire, c'est voilà, de citer, d'énumérer en disant voilà, mon premier degré est un accord majeur, vous plaquez l'accord majeur de la gamme de Do, deuxième degré mineur, et ainsi de suite, vous descendez ça. Donc, ça va vous permettre donc, de maîtriser le positionnement des doigts par rapport aux accords en question, mais également de comprendre, parce qu'en l'énumérant, voilà, ça va rester. Donc le fait de combiner le pratiquer et le fait de se le dire, de se citer, ça va vraiment vous permettre de comprendre, de mémoriser la chose en soi. Donc n'hésitez pas vraiment à faire cet exercice-là de plaquer et de dicter. Voilà globalement pour les notions générales des gammes majeures. Ok ? Donc, on va revenir à notre chant de base de cette leçon, qui est « Tu viens du ciel ». Dans la première partie, je nous l'ai montré en plaqué, en accord plaqué, et là, je vais nous la montrer en accord arpège, en arpégé, en jouant en arpège. Alors... jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Dernière fois. Quatre. Cinq. Quatre. Un. Quatre. Cinq. Vous pouvez voir l'arpège, je fais vraiment un arpège allégé, parce qu'en soi, je ne vais pas forcément plaquer tous les doigts, parce que sinon, ça risque quand même de faire beaucoup. Donc ça aussi, ça c'est une histoire maintenant de jugement aussi, personnel au niveau du jeu. Vous voyez que par rapport au tempo de la chanson, je vais plaquer donc... Je vais plaquer donc trois doigts de ma main gauche et deux doigts de ma main droite. Sinon, j'aurais pu faire la totalité des doigts de ma main droite, mais ça va être un son différent. Donc, il y a la première variante que je vous ai montrée avec trois doigts, deux doigts, ou trois doigts et trois doigts aussi. Thank you.
Et voilà, en soi, pour le chant, tu viens du ciel. C'était donc la troisième et dernière partie des accords majeurs. Donc, je vous invite vraiment, si les notions sont floues, vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, préférons donc envoyer les commentaires directement dans la partie commentaires des vidéos YouTube, ce sera plus simple pour nous d'y répondre. C'est vrai qu'au début, on a commencé à répertorier les commentaires sur les réseaux, sur Instagram et sur Facebook. Mais le mieux, c'est quand même, je pense, de publier directement donc, dans les commentaires les questions éventuelles que vous pouvez avoir par rapport aux leçons pour qu'on puisse y répondre, par la grâce du Seigneur en tout cas. Pour que tout un chacun puisse grandir dans l'apprentissage de l'instrument, puisse progresser et vraiment que le Seigneur Yahushua soit honoré dans tout ça. En soi, n'hésitez pas, en tout cas, que le Seigneur nous garde. Bon courage donc, dans cet apprentissage et nous nous retrouvons donc pour la prochaine vidéo et pour la suite des cours. Allez, à bientôt.